Bonjour chers amis, alors aujourd'hui une petite paire de chaussons très simple, très rapide à réaliser. Vous allez voir, ça se tricote en un seul morceau. Alors on va mettre une petite fleur au coin et un petit nœud au milieu. Alors donc pour cela, fais un peu du rose et du vert, et on va prendre des aiguilles numéro 2 et demi. Avec des aiguilles donc numéro 2 et demi, nous allons monter 31 mailles. Donc, on monte 31 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 mailles. Et on va faire... On va tricoter une rangée tout à l'envers. On tricote donc la première rangée tout à l'envers. La deuxième rangée, on la tricote aussi à l'envers. À l'envers. L'envers, on tend le travail et on répète tant que la rangée à l'envers. Alors, on va tricoter au total 10 rangées à l'envers. On va tricoter 10 barres tout à l'envers. Ça, au milieu, donc on va monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barres. Si on prend donc la première barre, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 barres. On va tricoter 10 barres tout à l'envers du travail. Alors, donc, lorsque nous allons monter à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'avais dit 9 barres ici. Ce que nous allons faire, donc, en repartant, lorsque nous sommes à l'envers, on fait 1 diminution, 1 deuxième, 3,
4. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize et quatorze mailles. Donc on a diminué de 14 mailles et je repars à l'envers sur toutes, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Hein? 17 mailles. Hein? Je refais tout mon travail. Je repars à l'envers sur les 17 mailles. Maille, on tourne le travail, on repart sur les 17 mailles. Donc au total on monte deux rangées en jersey onde à l'envers. Donc deux barres en jersey à l'envers plutôt. Cette fois-ci, arrivée deuxième, donc on marque comme on se retrouve ici. On change le fil. Je fais une rangée aller à l'envers. On tourne le travail, cette fois-ci je repars à l'endroit. De ranger à l'endroit, on tourne le travail, je fais une rangée aller à l'envers,
j'ai allé à l'envers. Dans le travail, je fais une rangée retour à l'envers. Termine un rangé à l'envers, on tourne le travail, je fais deuxième rangée à l'envers, on tourne le travail, on fait une seconde fois à l'envers, donc pour avoir deux barres de points de mousse. Donc, deux rangées en chassé endroit, deux barres de points de mousse. Donc, on va répéter. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5 fois. Deux rangées en chassé endroit. Et on va avoir dans la partie de là 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées en chassé au point de mousse. Donc, partie de là, on change. On fait, on tricote à l'envers, d'accord. On tourne le travail sur le rose, on repart à l'endroit pour avoir deux rangées chercées en droit et puis on remonte deux barres de points de mousse. Ici. Encore deux. Lorsqu'on va changer, on va repartir à l'envers. Donc les rangées sont toujours faites. Une rangée aller à l'envers, une rangée retour à l'envers, une rangée aller à l'envers, une rangée retour à l'envers. On change, on repart à l'envers. Deuxième rangée à l'envers. Ça, on remonte. Alors, donc, vous voyez, nous avons monté 1, 2, 3, 4, 5. Total, et
Lorsque nous sommes à l'envers du travail, on arrête simplement avec la couleur rose et je repars à l'envers. Pour la suite, on va simplement compléter les 14 mailles qu'on avait diminuées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles. Et on va remonter donc au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangées, toujours donc en tricote. La rangée toujours à l'envers. Tricote la rangée allée à l'envers, comme on a fait ici, première partie. On refait la même chose de l'autre côté. Et donc, on a terminé. Monter les deux parties. Ce qu'on va faire simplement, c'est joindre deux bouts. Ceci. Et prendre un crochet. Puis on va arrêter donc les mailles. La boucle. Faire cela jusqu'à la fin donc de toutes les mailles. On termine à la fin. Ici aussi, on fait simplement la même chose. Et on refait donc jusqu'à la fin. On termine, on laisse un petit bout de fil avec une aiguille. On va simplement le cacher autour de la rangement. On retourne.
Alors, à partir de là, donc, on va prendre une aiguille. Emplir, travail en deux. On vient ici, on le fait simplement. Bien serré dans le tout. Le petit bout de fil, on va le cacher simplement avec une aiguille. Après, on va réaliser la petite fleur. J'ai déjà fait une vidéo pour réaliser la fleur. Alors, pour le nœud, c'est simple. On monte 12 mailles. Non, oui, pour le nœud, on monte 12 mailles. Et puis, on fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées au point de mousse. Donc, 12 mailles pour le nœud et 8 rangées au point de mousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait. Une rangée aller à l'endroit et une rangée retour à l'endroit. On va répéter 7 fois pour avoir 8 barres point de mousse. Allez. Une fois retour, on monte ces deux rangées 16 fois. Donc, 8 rangées, on arrête les mailles. On laisse comme un petit bout de fil. Une aiguille. Je vais faire c'est plier le tout. Comme c'est simple et tout, je viens poser mon nœud dessus. Donc, lorsqu'on termine de poser le nœud, on va réaliser la petite fleur côté.
Alors, pour la fleur, sur le porte, vous aurez besoin de deux crayons et du fil. Pour le reste, on regarde sur la vidéo. Une fois ma fleur terminée, celle-ci et celle-là, on va la poser ici. Simplement coudre tout autour. Et voilà donc terminé notre petite paire chaussons. Alors je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!